aussi à des traducteurs par la suite. Merci. Merci, merci Maïssa. On va peut-être donner la parole à l'éditrice allemande qui va nous parler de son expérience. Germany. I'm specialized since it opens the mind, as well the mind, as well as the mind of the readers. Because the topics in the Algerian literature, they are very special, and they are sometimes very uncommon for European readers. And how is the reception now? Okay, as I do the job, more or less 30 years by now, I may tell in the beginning it was really very, very simple because there was a big community of the so that stopped, it was... Can you have a translator, please? Okay. Maybe with you. My catalogue is full of the best writers. To start with, Rachid Boudjedra, whom I published, I think, 12 or more books. I had a hand. Onut Ferraoun, Marmari. And what is special for me... Excusez-moi, je suis là. Donc, juste pour dire, donc, juste pour expliquer, traduire ce que vous venez de dire, après, vous continuez. Donc, elle a traduit Rachid Boudjedra, Maïssa Bey. Ah bah, non, elle a édité, hein, elle a édité, donc, dans la langue allemande, Rachid Boudjedra, Maïssa Bey, Mohamed Dib, et Malek Haddad, Ferraoun, Marmari, okay. And all the big names, maybe. And what is special for me, I never do contract. The author in general, they do contracts for all the life, more or less, and me, I don't do. I want it open with each new book. The author is free to decide till now, nobody left. Yes, just a question. Do you have, before publishing books in German, do you have contact with the writers? Those who are living, of course. Germany or what? Yeah, but Algerian writers. You have a contact with them? Yeah, okay. For each book, I do the contract. Yeah. But I don't do the contract for all the life. Because in general, they tell, okay, I publish you, then you have to give all your books to the publishing house. Contact. Contact. Do you get in touch with these people before you publish? Yes, of course. And I do conferences and readings, and I travel with them, and so I do all the promotion, and I go to the book fairs in Frankfurt, in Leipzig, and okay, as a visitor, I come to the Sila each year. Donc ce qu'elle dit, c'est que donc lorsqu'elle publie, avant de publier, donc en langue anglaise, elle rencontre les auteurs et elle les d'une manière générale, et elle les représente donc dans des foires, dans des salons de livres, et chaque année elle vient aussi là. Actually, I'm not economic thinking, because actually one needs that, but I study literature and philosophy, and so I'm in literature. That is my life, that is my world, and that is my passion, and that I do. And I don't ask for the money. If it runs anyhow. Oui, donc ce qui l'intéresse, c'est la littérature et non pas l'argent, c'est rare de nos jours. Hein. Et voilà, donc c'est une grande passionnée de littérature. Donc on va passer la parole à
quelque chose, je n'arrive pas, qui est émergent en tous les cas dans la littérature algérienne, c'est la littérature d'expression amazigh et la traduction. Donc on va passer la parole à Brahim Tagaza pour qu'il puisse nous donner un petit aperçu et ensuite on poursuivra avec les invités. تزغرت الزلف اللون ايش الزلف اللون كنت استقرار صرف واحد القران اللي توسي غصي الهون وي جات خطيط c'était comme ça que j'ai entamé une conférence en 2010 à Bagdad autour de la traduction de l'arabe à tamazight comme moyen d'enrichissement de la culture nationale. Parce que dans des pays comme l'Algérie, où il y a une pluralité de langues, il faut avoir des visions culturelles. Il ne faut pas être qu'un simple auteur, un simple éditeur, mais être un porteur de projets culturels. Et nous croyons, parce que je suis en même temps, Brahim Tagaza, je suis en même temps auteur, mais aussi j'ai une petite maison d'édition, c'est les éditions Tira. Nous portons un projet. Nous croyons que la littérature algérienne ne peut être algérienne que avec un mouvement soutenu de traduction entre les deux langues nationales essentiellement. D'ailleurs, notre premier livre qui a été édité, c'était Merem el Masri, Karaz Zahamra ala Bayar Latin Abiyad, technicien Gouaren Rafoua Ben Samlel. C'est une poétesse syrienne que j'ai rencontrée à l'occasion d'un hommage à Jamal Amrani. On a convenu de la traduction, il était très content. Peut-être que c'est ce couteau que tu crois t'avoir tué, c'est celui-là qui peut te faire revivre. Et Mme al-Masri, cette traduction m'a permis d'être invité à Bagdad pour une rencontre internationale sur la traduction. Et là, la traduction est devenue pour moi quelque chose d'extraordinaire parce qu'au-delà du livre, au-delà du texte littéraire, c'est un dialogue ouvert avec l'Orient. Parce que par rapport à la question amazigh, nous étions lentement condamnés à un tête-à-tête avec l'Occident, avec la France. Alors que la question du pluralisme linguistique pose le problème concerné, l'Occident ne peut être que, en fin de compte, même pas un juge, mais un observateur. Moi, j'ai essayé, à travers Mme al-Masri, d'ouvrir ce canal de dialogue, d'intercompréhension, parce qu'avec la traduction, ça nous a permis de dépasser des malentendus. Il y a des malentendus qui sont dus à des politiques du pouvoir, à des politiques culturelles mal appropriées, qui installent des malentendus, des conflits dans les têtes des gens. Mais une fois qu'on arrive à traduire, à avoir dans le même livre, le tamazight et l'arabe, c'est fini, c'est les langues s'aiment, les langues vivent ensemble. Et avant d'arriver à cette, je donne un petit aperçu, je reviens au roman, à sa littérature. En 1946 déjà, il y a le premier roman écrit en langue amazigh par Vlaïd Thalia. Vlaïd Thalia, il a été... Mais le bonhomme avait la chance d'avoir une mère qui était institutrice. Il maîtrisait parfaitement la langue française. Mais une fois qu'il s'y met à collecter les contes, il a pris le goût avec l'écriture en cette langue. Et puis il a écrit le premier roman en langue berbère en 1946, Louis Goudrel, traduit par le père de Gisèle et le père d'Allé. Le père d'Allé l'a classifié comme entre conte et nouvelle, mais dernièrement, les colloques de spécialistes, que ce soit à l'université de Tizi Ouzou ou ailleurs, tout le monde a convenu que c'est un roman parce que ce n'est pas du tout un conte, tous les critères. C'est un roman extraordinaire, il y a de la polyphonie, il y a beaucoup c'est une merveille. La première traduction du roman, c'était celle des Pères Blancs, de Père Dallé et le Père Dixel. Il y a, avec le temps, à partir de 80-90, il y a Selim Zinien qui vit à Barcelone, qui est traduit vers l'allemand, et dont le dernier roman a été édité. Il a été écrit en tamazight, traduit vers l'allemand, le catalan, où c'est Izoran Interhouth. Il est sorti, la traduction est sortie avant l'œuvre, avant le texte original. Moi, il y a Amran Mzdad qui est traduit vers le français. Dans cette
moi, j'aime mon roman, ça m'a fait tellement plaisir, là, c'est mon expérience personnelle, mon roman, Céleste Nouja, Céleste Nouja, c'est Céleste et Nouja. C'est une histoire d'amour entre deux jeunes, c'est Céleste et Nouja. Il a été traduit, ça fait 2 ans, en langue arabe. J'étais très heureux de recevoir la demande de traduction du traducteur, il a demandé mon autorisation. Ça veut dire, ce qui m'a plu, ce que je n'ai pas sollicité la traduction, c'est le renseignement, dans le cadre d'un doctorat en linguistique à l'université de Tizi Ouzou, il a dit je vais travailler sur le texte Céleste Nouja. Il a travaillé sur le texte Céleste Nouja, je ne vous cache pas que quand j'ai reçu la traduction finale, j'avais les larmes aux yeux. J'ai dit, j'ai fait un pari qui n'est pas tombé à l'eau. J'écris dans une langue minorée, une langue qui est exclue. Ça veut dire, en fin de compte, le narcissisme de l'écrivain d'être reconnu, avoir des... Moi, j'ai été exclu de ces prix, de cette reconnaissance. Mais une fois que le texte est traduit en langue arabe, il est porté par une autre langue qui a 530 millions de locuteurs, là, tu dis, oui, on peut y aller au-delà. Et sincèrement, c'était un moment extraordinaire. Et là, au passage, ces interactions, Marem El Masri, avec Céleste Nouja, je salue Abdelzak Bourba, parce que c'est un écrivain arabophone, qui fait beaucoup pour la visibilité de la littérature amazighe en dehors de l'Algérie. Il a écrit un très bon article sur la traduction de Céleste Nouja pour le Jazeera.com. Il écrit sur la calligraphie de Tifina pour les revues arabes d'Orient. Et là, c'est l'Algérien qui s'assume. Abdelzak ne connaît pas le Tamazir. Mais Tamazir, c'est sa langue, c'est la langue d'un pays, d'une nation. Et là, on est fiers de partir. Nous avons travaillé aussi sur... Oui, ok. Merci. Nous allons passer la parole à l'Espagne. J'aime beaucoup. Je retrouve le nom, c'est Raquel Romeo Guillemons. C'est Raquel qui devait être ici, c'est Raquel, c'est la directrice de l'Institut Cervantes. Oui, absolument. Mais elle n'est pas, comme vous voyez. je ne suis pas avec elle, vous avez tout compris. Je suis le responsable académique, le directeur académique, alors je viens en nom de Raquel, je viens en représentance de l'Institut Cervantes. J'aimerais bien parler en espagnol, mais pour faciliter les choses, je vous parle dans ce français un peu comme ça. Mais c'est mieux parce qu'autrement, il faudrait traduire comme ça. Je vous dis buenos días, muchas gracias por estar aquí. Et bon, je pense que je suis ici, dans ce moment, et comme représentant de l'Institut Cervantes. Je serai des autres jours, je suis 3 interventions comme écrivain, et même comme traducteur. Je suis traducteur de poésie, je suis poète et traducteur de poésie. Pas exactement le roman, ne pourrait plus vivre. C'est de la poésie que se nourrit. Alors, l'Institut Cervantes est présent en Algérie depuis longtemps. Il y a 2 centres à Oran et Alger. Et l'Institut d'Alger sera un des plus gros de tous les centres du monde, parce qu'on a plus de 3000 inscriptions chaque année. Et on est à Khalifa Bukalfa, dans l'ancienne église espagnole, dans l'ancienne ambassade d'Espagne. Et bon, disons que nous travaillons dans la diffusion de la langue et la culture et la littérature espagnole au monde, dans ce cas en Algérie. Mais vu que le thème, c'est pas exactement l'Institut Cervantes, mais plutôt la traduction, j'aimerais faire une petite réflexion sur la figure du traducteur, comme traducteur, comme auteur et comme représentant d'une institution qui travaille sur le dialogue entre les cultures, entre les langues. Et c'est bien curieux qu'ils disent qu'à la siècle dernier, la 20e siècle, on pourrait trouver, dans ma librairie, dans ma bibliothèque, j'ai beaucoup de livres comme ça, on pourrait trouver un livre, par exemple l'Odyssée d'Homère, ou les poésies de Shakespeare, ou bien n'importe quoi, ça le nom de la traduction. Il y avait un
une sorte de miracle linguistique par laquelle ce, il n'existe pas encore l'Internet, alors je ne sais pas comment est-ce qu'elle faisait, qu'il mettait les langues de l'ancien grec d'Homéro, il venait en français, il venait en espagnol, sans la figure de traducteur. Alors, les traducteurs ont toujours travaillé à l'ombre, travaillé vraiment dans l'anonymat, et ce sont été des amants clandestins de la littérature, et le vrai artifice, le vrai pontifice, ce qui ont fait est que quelqu'un dans, je sais pas, des Scandinavies, pour les faits, pour amour, on ne m'a jamais payé, rien pour ça. Mais il ne faut pas être comme ça. Je ne demande pas l'argent, parce que moi, je travaille à l'Institut Cervantes, je peux le faire. Mais il faudrait qu'il soit un travail bien rémunéré, bien payé, bien reconnu. Bon, je pourrais être bref, alors si il y a une occasion, on continue après. Merci. Alors, je voudrais prendre la je tiens à remercier Mme Sapré pour cette rencontre formidable, ce forum, parce qu'on a eu toujours l'habitude de voir des forums politiques. Pour la première fois qu'on voit un forum qui est consacré à la littérature, un grand merci pour Evresk et pour Mme Sapré pour cet effort. Alors, pour répondre à votre question, non, je ne m'auto-traduis pas. Pour la simple raison, je crois que la réponse a été donnée tout à l'heure par personne interposée par Boujra. Si je me mise à m'auto-traduire, ce sera écrire un autre roman tout simplement et gagner du temps, et faire gagner du temps aussi pour les lecteurs. Non, je suis traduit par M. Marcel Bois, à qui on rend hommage aujourd'hui, et qui mérite amplement. Malheureusement, on a fait beaucoup de retard pour faire cet acte. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Chocolat pour Mme Sprim autrefois, pour cette initiative qui est formidable et très louable maintenant. Je suis aussi traduit par beaucoup d'écrivains de langue arabe, par exemple Gilles Mahfoud et d'autres, pour le citer, Gilles Mahfoud qui est le Nobel, qui est le plus connu. Voilà pour la traduction. Mais pour moi, le problème qui se pose en Algérie, c'est un problème, je crois qu'il est plus complexe. Il y a d'abord le problème de la traduction, c'est-à-dire que ce qui se fait dans le domaine de la traduction est très limité. Je parle par exemple, je prends l'exemple, puisque je fais partie d'une aire culturelle et linguistique, celle de la littérature de langue arabe. Alors, ce qui se traduit de l'arabe vers le français est très minime. C'est-à-dire, même sur le plan des statistiques, j'ai des statistiques. Quand vous voyez, par exemple, combien de livres sortent par année en langue arabe, et l'équivalent de traduction en langue française, c'est très limité. Et c'est pour cela que je dis, il faut être humble, à mon avis. Il faut d'abord penser à traduire de l'arabe vers le français, du français vers l'arabe, et aussi vers le tamazir. C'est-à-dire que le plus juste, c'est d'avoir une littérature qui est accessible dans les trois langues. Tamazight, arabe, français, c'est tout à fait normal parce qu'on est dans un domaine linguistique pluriel. Le fait d'être traduit en langue française, ça ne concerne pas la France, entre parenthèses, entre guillemets. Ça concerne d'abord le lectorat algérien parce que c'est un lectorat qui est divisé en deux, d'abord sur le plan de dualité langue arabe et langue française, mis à part bien sûr la troisième langue. Alors, quand vous êtes traduit en langue française, je parle d'un écrivain de langue arabe, d'abord, ce qui est ciblé, c'est le lecteur francophone algérien. Et par la suite, bien sûr, la France, et puis vous avez la Suisse, la Belgique, le Canada, etc., etc. Donc, c'est un espace quand même assez large. Mais l'espace ciblé, à mon avis, c'est d'abord l'espace national. Alors, il y a un problème qui se pose. Moi, je l'expose, hein. Je n'ai pas de solution, c'est-à-dire dans la tête, mais je l'expose, puisque c'est un forum et puis c'est l'occasion de débattre de tout ça. Vous savez, ce qui se traduit du français vers l'arabe, et non pas, M. Marcel Bois, du français vers l'arabe, c'est un cas typique.
à discuter à part. La chose normale, vous avez des écrivains algériens tels que Bajar Partage, Khalas Al-Jilani, qui encore, il y en a d'autres, Sali, Mohamed Sali, qui ont traduit une grande partie de la littérature algérienne de langue française. Et prenons le cas inverse. Est-ce qu'il y a un seul écrivain qui a pris l'initiative de traduire des livres ou des romans qu'il juge traduisibles, c'est-à-dire qu'il aime, bien sûr, il faut qu'il y ait de l'amour avant de traduire un roman, et qui a traduit, par exemple, un roman de l'arabe vers la langue française? Malheureusement, jusqu'à présent, je ne vois pas. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure. Ce n'est pas une accusation, mais c'est un constat. C'est un constat. Et c'est un constat qu'il faut prendre en considération quand on parle de traduction. Il y a un deuxième problème, celui de la visibilité. C'est-à-dire, pour les livres qui sont traduits, je prends aussi le cas de l'arabe vers le français. Et même le cas inverse aussi, je le citerai tout à l'heure. Quand vous prenez, par exemple, tous ces écrivains qui sont traduits en langue française, je pose le problème suivant. Est-ce qu'ils sont lus par le public francophone? Je mettrai un point d'interrogation parce que la lecture, c'est quoi? C'est la réaction par rapport à ces livres, sur le plan de la critique, sur le plan... sur le plan de la visibilité, etc. Je crois que le micro n'est pas d'accord avec ce que je suis en train de dire. Donc, c'est vraiment un problème de visibilité. C'est-à-dire, au niveau de ce forum, à mon avis, l'effort qu'il faut faire, c'est comment rendre cette littérature exprimée dans la langue arabe, traduite en langue française, il faut qu'elle soit visible, et vice-versa, parce que vous avez aussi des écrivains comme, par exemple, Alain Sassel. Moi, j'enseigne à la faculté centrale, enfin, c'était la faculté centrale, maintenant c'est à G2. J'ai quelques enseignements à G2. On ne connaît qu'à travers la télévision, Amboualam Sansal, Yasmina Khadra, etc., pour les lecteurs arabophones. Ça veut dire que les traductions ne servent pas à grand-chose. Et c'est le travail, justement, des universitaires. Ah oui, je m'arrête. Alors, il nous reste 5 minutes pour la première partie. Et donc, je vais passer la parole à. J'ai pas envie d'écorcher les noms, Nafa Zamouli, qui est journaliste interprète enseignant en anglais. 5 minutes. I apologize, first of all, I need to express myself in English, if that's okay. I'm more of a journalist and English teacher than a translator, really. Although I have done some translation in the past for the BBC, I'm working on a documentary about North Africa. And I had some kind of an experience, although modest and humble, of translating from Algerian into English, which wasn't easy at all. Because now you are facing a language or languages and translating them into one language. And you have to know both cultures, Algerian and English. And if I can just ask the Nata here, when you translate from Algerian into German, do you actually live here? Do you mix with people? Do you try to know at least what the words mean before you do the translation? First, I have to tell, I don't translate, I'm the publisher. All right, okay, my mistake. Do you put in touch with translators with the writers so they come here and probably try to learn more about the culture before they do the translation? No, it's otherwise. First, I choose the translator who has relationship or who has lived in the country. Okay. So, prior knowledge of the country is essential. Exactly. Okay. So, that creates another problem for us, really. And I believe that the best translators of Algerian novels and written material have to come from this country. Why do we look for translators in other countries so they come and learn about our language and our culture before they do the translation when we can do it ourselves? I mean, I teach at the British Council, which opened a few months ago here in Algiers, and I have the opportunity to mix with young generations, and some of them want to be writers in the future, and they write in English already. And this is really the best way for us to move forward, because they know what they're talking about, they know that they can choose the right words, the correct words,
and they then need someone else to come as a third party, try to learn about their language, their culture, before they do the translation. And I believe that the work that the British Council is doing at the moment and the Institute of Cervantes is doing, we didn't get a large audience in the world. We want to get that in the future. We want our novelists to be read in Mexico, in Siberia, why not, in Australia. We can do that by focusing on our translators, training them, helping them, and then getting things moving forward. Sorry, this is my... that wasn't 5 minutes, was it? Okay, thank you very much. Alors, on va passer à la deuxième question, problématique. Donc, que pouvons-nous préconiser? Donc, qu'est-ce qu'on peut préconiser pour aller? Et donc, deux questions. Quel rôle pourrait jouer le British Council donc, dans la traduction ou dans la formation en fait, des traducteurs, en tout cas algériens, donc, en langue anglaise? Et est-ce qu'il y a des projets ou une possibilité de créer des liens en fait, entre les auteurs algériens et les auteurs britanniques? Thank you. I'm. Je comprends le français, mais je ne parle pas très bien le français. Alors, I was thinking that I would speak in English. It's a pleasure to be here. Thank you, Madame Sipke, and the organizers. But I must admit, I'm not an expert at all in this area, so I feel a little bit in a difficult position. But it's a pleasure, really, to be on an esteemed panel and be with so many esteemed writers here. As Nafa said, we have started teaching English in Algeria again 6 months ago. And we are growing our work in English here at the request of from the President Bouteflika down to I think the wider population. But we've been working with the Ministry of Education here for a long time, and I would just like to make an observation. That last week I was with the Ministry of Education with a delegation in the UK. We were looking at education practice, we visited schools, we visited the Department for Education, and it was a fantastic opportunity, I think, to look at how we can move our collaboration on from teacher training and working with inspectors of English. And deepen it and focus it and make more connections with the UK. But I was also struck by the opportunity for us to build a greater understanding between us, which I think is missing. And I was also struck because looking in the bookshops in Britain, I don't visit the bookshops very often in Britain because I live here. But I saw Kamal Daoud's book, The Meursault Investigation, everywhere. We went to a small town called Dorchester, the town of Thomas Hardy, some of you may know. And the Meursault Investigation was in the bookshops. And also more, I think, Camus' work was more prominent. I think there are new translations of his work, and also Yasmina Khatra, and so I was pleased and delighted to see more. I mean, it's not a large number of authors, but to see Algerian writers prominent in the UK in bookshops, and maybe that's something we can reflect on how that happens. But I was very pleased because I think, as I say, we lack an understanding between Britain and Algeria. The British Council was created
to develop a positive and friendly, or rather a friendly knowledge and understanding between Britain and other countries. And we can do that through education, we can do that through English language teaching, and through work in the arts. We are only just developing our work in the arts here. It's very small, and we participate in some festivals with the Ministry of Culture in the European Union. But I see potential, to come to your question, for us to bring more writers here and be involved in more exchange in the domain of literature, and possibly work more in translation. I think one final point I would like to make on this is that the British Council is also working with the Ministry of Higher Education to develop doctoral student, okay, and there are now 50 Algerian PhDs in different universities under this new program that have started their PhDs. And maybe some of them are in translation, I don't know all their proposals. But I think it's an area where you know, this could be developed too. And so I think there are opportunities, and but I am really here to learn and to hear from you. I think I will stop at that point. On va passer, ces perspectives, quelques pistes pour le futur. Donc je me tourne vers Marim. En tant qu'éditeur et traducteur en langue tamazight, quelques pistes en fonction de ton expérience. Soutient notre cher Nadia Sepré, parce que des initiatives, des projets comme ça, Nadia Sepré avec l'ivresse qui ne peut pas toute seule les monter ou les concrétiser, mais avec le soutien des institutions, de la République, nous pouvons y aller très loin. Et l'un des aspects, c'est de mettre en place des mécanismes de soutien à la traduction. Merci. Alors, à votre parole, mon cher ami, c'est bien de s'ouvrir sur l'universel, mais en même temps, c'est bien aussi de s'ancrer sur le national. Moi, je donne un exemple. Je suis traduit le kurde, l'hébreu, bon, l'anglais, l'espagnol, etc. Que l'aura, toutes les langues, enfin, les langues connues. Je ne suis pas traduit en tamazight. Et je sens quand même c'est une carence par rapport à vous. Mais quand même, c'est un manque. Parce que pour moi, c'est d'abord. Il faut passer par. C'est pas du nationalisme, mais quand même, il faut passer par cette voie qui est très très importante. En plus de ça, il n'y a pas beaucoup de traductions sur le plan national du français, de l'arabe et de tamazight. À mon avis, l'effort que vous faites est très loin, mais c'est très très bien aussi de penser sur le, enfin, à niveau national. Un autre aspect, enfin, au niveau des horizons, tout à l'heure,
Talbot a présenté quand même quelque chose de très très important, une proposition qui a été prise en charge par le ministère de la Culture, celle de créer une bourse de traduction. Des bourses de traduction, moi je pense que c'est très très important parce que, vous savez, un livre traduit coûte toujours plus cher qu'un livre écrit directement dans une langue. Et si, moi je l'ai vu, par exemple, mes livres qui sont traduits Actes Sud, vous savez, ça coûte très très cher si on ne fait pas appel au CNN, qui donne, enfin le CNN français, qui donne un apport d'argent, etc., ou une bourse de traduction. Et je pense que le fait d'avoir pensé à cette solution donne sincèrement des coups de salaire. Merci. Je rebondis un petit mot. Nous n'avons pas oublié. C'est très important ce que notre ami Wassini dit. Nous avons un projet déjà de traduire toute l'œuvre de l'Émir Abdelkader Bertelazir, ce qu'on soubassement. Nous sommes en train de traduire Kaifa Tarda'u min Douni Antaouvrek Bertelazir dans le avec. Avec l'assistance d'universitaires. Voilà, nous sommes dans le projet, mais pour l'instant, c'est les premiers pas. Et, voilà, nous n'avons pas beaucoup de temps. Il y a du pain sur la planche. Merci. Je vais continuer donc le tour de table. Nafer Zemouli, un petit mot sur les personnes. Yeah, it seems to me that everyone is doing some work on an individual basis. But nothing is concerted. Nothing is. We don't get together and talk about this a lot. It's striking that the funding is there, the political will is there. The fact that you are here tells me that people are interested and they want their books to be translated. Okay, but how can we move forward? I think we need more of a policy to move forward. We need to start investing money in the right places. Something just brought up now is we don't even translate books from Arabic into Amazigh and from Amazigh into Arabic. How would we want to translate them into English and Spanish in the future? We don't even read our own books. I think we need to invest money and we need to educate the population in this respect before we can move on an international level. But going back to my point earlier, And I need to bring this for you as an example. In 2001, I got a job for the English service of Canal Algérie, which is unfortunately now is closed. We don't have even news in English. Obviously, the focus here is novels, but the media as well come into play. Back in 2001, to find a journalist who could speak English, you would need a telescope for that. Today, we do have young journalists who speak English very well. And I can use that example elsewhere. We have people who can write in English. We have people who can translate. Let's invest our money in this young generation, and maybe 10, 15 years from now, we can have this forum, and everything will be done in Spanish and English. Why not? It's a challenge, of course, but as Lady Esprit said earlier, challenges is what make us, really. Let's focus on what comes next rather than talking about the mistakes of the past. I believe that institutions like the British Council can do a lot, but we need to focus our efforts onto something that can bring some kind of fruit 10, 15 years from now. Sorry, that's it. Thanks. Je continue, mais savez. C'est des questions que j'aimerais poser parce que je n'ai pas de. C'est surtout des questions. D'abord, au niveau du choix des œuvres à traduire. Qui est chargé de ce choix? Quelles sont les circonstances? Quelles contraintes? Quels sont les critères de choix pour les traductions quand c'est des institutions qui le font? Qui est chargé? Est-ce que c'est vraiment l'objectif du choix du traducteur ou de la traduction du livre à traduire? Est-ce que c'est la volonté de faire découvrir une littérature et des voix d'un pays, les voix d'un pays? Ça, c'est une question que je pose. Je ne sais pas comment s'effectuent les choix. Évidemment, pour les auteurs de best-sellers, qui sont traduits automatiquement, même des fois, avant d'être publiés dans la langue, ils sont déjà traduits dans plusieurs langues, la question ne se pose pas. Et d'autre part, et ça revient très souvent
autour de cette table le problème des contraintes économiques. Vous avez des, moi j'ai rencontré pas mal d'éditeurs dans des foires, dans des salons, etc. C'est, nous avons le gros problème. Nous avons envie de faire connaître. Mais le traducteur, la traduction c'est cher. Ça revient très cher. On a un problème de contraintes économiques. On rencontre par ailleurs des traducteurs qui disent, nous, nous voulons bien traduire, mais c'est les éditeurs qui ne payent pas. Vous voyez, il y a toujours des problèmes. Bon, on parlait tout à l'heure de la, comment dire, du retentissement, d'une traduction. Il faut tout un travail aussi de promotion. Qui doit faire ce travail de promotion? Est-ce que ce sont les éditeurs? Est-ce que ce sont les institutions du pays, etc. Toutes sortes de questions qui se posent au niveau de la traduction et auxquelles nous, auteurs, nous n'avons absolument aucune réponse. Ça l'Espagne? En Espagne. Bon, l'autre jour, je viens de manger avec Jasmina Khadra à Valencia. Je ne le connaissais pas. On m'a invité, on m'a appelé un ami, il m'a dit c'est Jasmina Khadra ici, tu viens manger. Et bon, Jasmina Khadra, bon, il m'a dit qu'il était en train de se transférer à Alicante. Il en a marre de Paris. Et on ne peut pas vivre à Paris, dit Louis, je pense que dans cette époque, ce n'est pas facile de vivre à Paris, à Bruxelles, on est plus tranquille ici. Alors, je pense que quand même, il y a beaucoup de monde qui est en train de se transférer en Espagne. Je pense que c'est la nouvelle reconquête. Parce que ça arrive des Algériens à Alicante, à Valencia, ils s'achètent des maisons, ils viennent à l'Institut Cervantes parce qu'ils doivent apprendre l'espagnol pour faire les contrats, etc. Ils disent non, ils me servent un cours pour signer les contrats avec les maisons, des cours spéciaux pour faire des contrats immobiliers. Bon, je dis que. Bon, ça m'a choqué beaucoup de savoir, je viens d'entendre. Que Maïsabé n'est pas traduit en espagnol. Il faut faire quelque chose. Mais je pense que ce qu'ils font, c'est pas, ce sont les amis. Ne nous trompons pas. Ce n'est pas l'État, c'est pas, ce ne sont pas les ministres, ce n'est pas le pouvoir. On est en train de parler la littérature, surtout une expérience solitaire, très intime. Et c'est de là, c'est la sémette et celle-ci. C'est une solitude qui parle à une autre, dans un autre coin du monde. Alors, le choix, parfois, beaucoup de fois, c'est le choix d'un lecteur. Un lecteur qui a aimé une œuvre et qui veut la traduire pour enrichir son œuvre, pour enrichir, pour se l'approprier. C'est pour ça que peut-être on traduit même au Amasique, je le comprends très bien. Parce que l'Amasique, il a dit notre ami, avait soin de respirer, de se larger. Alors, si on traduit Hemingway à l'Amasique, c'est Hemingway, mais c'est surtout l'Amasique qui s'enrichit avec ça. Quand je connais le traducteur de García Márquez au catalan, je ne peux pas l'éviter de dire, mais pourquoi tu traduis García Márquez au catalan, surtout le catalan, il peut se lire en espagnol. Et en espagnol, García Márquez est toujours plus beau qu'un catalan. Je ne comprenais pas. Initialement, je ne comprenais pas pourquoi lire une autre langue, un auteur que tu peux lire dans son langue originale. Toujours, je ne comprends pas tellement. Mais il m'a dit, c'est pour le catalan. C'est pour le catalan. Parce que l'effort de nominer dans notre langue toute la réalité de l'effort colombien, de l'Amérique, etc., ça enrichit notre langue. Et c'est vrai. La labeur du traducteur enrichit la langue ou inverse cette expérience. Alors, voilà ce que l'espagnol, en ce moment, voulait dire. Merci, Donata. As I come from Europe, for me the situation is completely different because I published books since many years and so there was not that much interest in it from the point of view of the readers. But now, as we are confronted with a huge number of refugees, suddenly the German readers wake up asking, okay, is there something? Is there any novel translated which gives an impact of the normal life, the political
interested in the literature. Thank you. On aurait souhaité écouter Madame Abel Boucher Moussavé, représentante des éditions World Word en Algérie. On aurait aimé aussi avoir Lecal Baya, directrice du département Pion et d'Interprétariat, pour un peu appuyer ce qu'elle vient de dire, Maïsabé. Et on a envie d'écouter Abel Boucher Moussavé pour appuyer ce que Monsieur le directeur du British Consul a dit. On aurait souhaité les appeler pour... Les personnes ne se sont pas présentées. Ils sont sur la liste. Hein. Voilà. Les sommets sont là, effectivement, leur place, elle est avec nous. Parce qu'on a envie... Ah bah oui, on a même prévu des chaises. On est 11 en principe. 10. Université d'Alger 2. C'est vous, madame ? L'Université d'Alger 2. L'Institut de traduction, l'Institut supérieur arabe de traduction d'Il Amayoun. Vous êtes vous la représentante ? As being the representative of World's World Editions from the UK. Actually, I'm not very familiar with Rostrom speaking, so I would leave the word for Mr. Rabir Khalouf, who would speak for me, to give you all the details about our work with English and our experience with the English book in Algeria and around the Arab world also. So I leave it for him to speak about the details. Thank you. Bonjour. Assalamu alaikum. Moi, je vais intervenir en mot arabe. تجربه دعم نشر وردز وورد انجليزيه اللي تمتد عبر اكثر من 25 سنه. شراكتنا معها كانت طيله 5 سنوات. حاولنا ان نسوقه ونقربه الكتاب الانجليزي بناء القاعده خاصه فئه الشباب اللي حوسوا على الكتاب باللغه الانجليزيه وما يلقاوهاش. هذه الشراكة أثمرت عدة نتائج، منها أنه عرفنا شكون يقرأ اللغة الإنجليزية في الجزائر. المستوى الثاني هو توقيع عقود مع دور نشر أجنبية أخرى، هي أهمها دار نشر أمريكية راندوم هاوس، توفير الكتاب باللغة الإنجليزية ليطلبوا. والثمرة الأخيرة هي إنشاء دار نشر جزائرية تأخذ على عاتقها ترجمة الأدب الجزائري إلى اللغة الإنجليزية، يعني متخصصة إلا في هذه الحلقة. المشكل كما طرحه الأساتذة هي عبارة عن حلقات ليست موصولة ببعضها، وكل واحد يبرون إنيسياتيف بشكل يعني خاص وشخصي. هذا هو شغلي. أقول شكرا على الاستماع. شكرا. Alors, je vais juste essayer une toute petite synthèse avant de passer la parole à la salle. Alors, il y a cette volonté de s'ouvrir au monde, la volonté de visibilité et la volonté d'élargir et d'enrichir les langues algériennes. Donc, il y a aussi cette volonté d'élargir le champ en explorant toutes les langues du pays également. A émergé
soutien, et notamment le volet, enfin le problème, en tous les cas la question financière. Et on peut se poser, enfin on peut dire que peut-être qu'il est important de développer une réelle politique culturelle qui œuvrerait en faveur de la promotion de la traduction de la littérature algérienne, pas seulement le roman. Et il y a eu quelques questions, donc des questionnements portant qui se posent à la traduction, notamment posées par notamment elle pose la question du choix des œuvres à traduire, quels sont les dessins de ces choix, etc., etc. Alors, avant de vous passer la parole, je vais laisser en dernier un grand remerciement à l'Ivresse, à Nadia Sipili et à l'Arc. Et nous sommes très très heureux, je parle au nom de nous, le cas d'être là aujourd'hui et de débattre toutes ces questions. Et je pense que là, nous avons un peu effleuré, mais peut-être qu'il serait important d'aller au-delà et d'organiser d'autres.